Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Ouais, j'essaie de tête là. Bref, il est 9h48, donc il est déjà très tard. Je vais dézoomer un peu parce que j'ai la moitié de la tronche coupée. Chérie a été chercher ce qu'il fallait pour le plafond de la salle de bain, donc j'espère qu'il va se bouger un peu le cul et nous faire la salle de bain un jour parce que j'en ai un petit peu marre d'attendre. Surtout qu'on a tout qui traîne dans la maison. Ça ne me plaît pas beaucoup bien. Hein. Voilà. Donc, mon petit week-end. Oui, c'est passé pas mal de choses ce week-end. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus où. Je voulais filmer toutes les vidéos avec mon téléphone et finalement non, je vais garder l'appareil. Là j'ai changé le mode d'autofocus, donc je vais voir si il arrête de me focusser ailleurs que la tronche. Donc voilà, j'avais trouvé pour faire le retour écran avec une application installée sur le PC et une sur le téléphone. Ça marche super bien. Maintenant, bon, bah, j'en ai pas l'utilité. J'ai fait des tests son parce que j'ai cherché partout après mes écouteurs de mon téléphone, introuvable. J'ai fait mon Elart, bah, vous l'avez déjà eu, donc je peux vous montrer de plus près. Bon, de toute façon, vous avez la vidéo que vous avez déjà eue. Samedi, je me suis levée à 5h30 parce que je me suis bouffée une pâte de petite patate dans la tronche. Elle m'a fait mal d'ailleurs. Pile dans la tronche, quoi. Une bonne claque de chien. Et chéri a bossé le matin. Oh, il est rentré à quelle heure? Il est rentré pendant que j'étais à la sieste, donc en début d'après-midi. C'était l'inventaire, donc il faut toujours qu'il aille bosser quand c'est l'inventaire, même que lui, normalement, il bosse dans les bureaux. Mais voilà, il demande toujours à ce qu'il soit là pour surveiller les autres. Donc voilà, ensuite, bah, comme chérie était au boulot et que je devais l'attendre qu'il rentre pour aller chez Action et aux courses, j'ai fait de la résine puisque j'avais des commandes. J'ai reçu les guirlandes lumineuses, donc du coup, j'ai pu faire les commandes de Gugus comme ça là. Et bien sûr, j'ai fait d'autres choses. D'ailleurs, je suis en train de me préparer mes décos de Noël, je vais vous montrer ça après. Donc après, on a été aux courses, on a été acheter. On a été chez Action, je vous ai filmé le haul que je crois que vous avez peut-être déjà eu, ou vous l'aurez samedi, je ne sais plus. J'ai commencé à faire ma petite déco de Noël en faisant des cannes à sucre pour mettre dans mon sapin. J'ai fait des commandes Amazon. Et bien, hein. J'ai bien dépensé ce week-end encore. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je reçois mes couverts de chez AliExpress. Donc, je vous montrerai ça demain parce que je ne sais pas du tout à quelle heure ils vont arriver. Et mes gobelets et ma guirlande de Noël de Temu, ma dernière commande Temu pour l'instant. J'ai commandé des piles boutons pour mettre sur la télécommande de mon appareil. J'ai commandé un. C'est quoi ça? Ah oui, le cadeau de Noël de mon frère. J'ai trouvé ça génial. Bon, c'est un peu cher, 30 balles. C'est pas que c'est cher hein, en soi, mais comme on a plusieurs cadeaux à faire à Noël, on essaye toujours de mettre un plus petit budget. Mais bon, là, c'est pour mon frère, donc voilà. C'est un camion de pompier, en carton moi, avec 7 sauces piquantes différentes à l'intérieur. Mon frère adore tout ce qui pique, tout ce qui est épicé et tout ça, donc ça devrait lui plaire. Pour ma belle-sœur, je lui ai pris un coffret de bain spécial Noël que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Et je me suis commandé un nouveau blender parce que le mien commence à tirer la gueule bien. Il fait un bruit très chelou, métallique. Là, je me suis dit, un de ces quatre, je vais me prendre l'hélice. Elle va sortir du truc et me. Donc là, j'ai eu. C'est un Moulinex de 2 litres en plus et je l'ai payé 44,28 € à la place de 70 €, quoi. 69,99 € je crois. Il y avait 26% dessus si ma mémoire est bonne. Ce matin, je me suis commandé un chapelet. En fait, je suis en train de préparer ma wishlist de Noël et anniversaire, hein, comme je fais tous les ans. Et bah, je m'étais dit, cette année, je vais mettre le chapelet, puisque ça fait longtemps que j'en veux un. Mais j'aimerais bien un qui vient directement de Lourdes, mais que j'irai chercher à Lourdes, parce que j'aimerais bien aller à Lourdes, ou du Vatican, béni par le pape.
Sauf que bah, ça, il faut y aller, quoi. Je veux dire, je pense pas que vous puissiez les trouver sur Internet. Donc j'ai cherché un peu, j'en ai trouvé sur, sur Amazon, en argent et des magnifiques, hein. Mais est-ce que c'est des vrais chapelets? Enfin, il n'y a pas de faux chapelets. C'est un peu comme dans toutes les croyances, suivant ce que vous croyez, voilà, c'est vrai ou pas. Maintenant, il y en avait des très chers. Il y en avait des très cacailles, comme celui que j'ai dans mon bureau, que j'avais acheté sur Chine, je crois, que j'avais payé 2 euros à tout casser. C'est vraiment de la gnognotte, quoi. C'est pour ça que je ne mets jamais autour du cou, parce que sinon je vais être toute verte. Mais là, c'est de l'argent que j'ai commandé. Attendez, j'ai le mail ici. Enfin, non, c'est pas marqué. C'est un chapelet en hématite du Vatican. Et il était à 5,20 €. C'est un site spécial belge. C'est la maison Halleux. Je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est spécial un truc religieux, quoi, en fait. Donc il y a plein de trucs, hein. Il y a pour les neuvaines et tout ça, les bougies. Il y a tout ce qui est pour la religion, les vêtements et tout. Je pense que c'est un site un peu officiel pour l'église. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le recevoir. Il n'y a pas de délai de livraison. Quoi que j'aurais pu aller voir sur le site. S'ils disent, attendez, est-ce que je sais me reconnecter au site? Je pense. Bon, les frais de port étaient un peu élevés, je trouve, surtout que c'est un site belge. Attendez, je regarde s'il montre. Oui, c'est un site belge. Et j'ai payé. Attendez, c'est noté dans le mail. J'ai payé 7,08 € de frais de livraison pour le faire livrer en point relais près de chez moi, quoi. Même pas à la maison. Sinon, c'était plus cher, c'était 10 balles. Alors que c'est Belgique, Belgique, quoi. Bon, au bout d'un moment, faut pas trop déconner non plus, hein. C'est bon que le produit était pas cher. Mais. Donc je pense que ça devrait aller assez vite pour le recevoir. Horaire samedi et dimanche. Ah oui, vous voyez, c'est ouvert que les après-midi. Enfin, le week-end, l'après-midi. Une fois la commande validée et payée, elle passe en préparation. S'occupe de les achats. Si vous passez commande après 14 h, la commande se fera. Voilà. Quand s'effectuent les livraisons? Du lundi au vendredi, ouais, mais ils disent pas, il n'y a pas de délai. On pouvait choisir PostNL aussi, mais c'était pareil, c'était 10 balles. Mais non, ils donnent pas de. On aura un mail. Ah, si, là c'est noté. En Belgique, Mondial Relais mettra tout en œuvre pour cheminer le colis dans un délai de 3 à 4 jours ouvrés. Donc, je trouve que c'est quand même, vu que c'est Belgique, Belgique, je trouve que c'est quand même long. Attendez, j'ai enlevé ma vidéo parce que je suis en train de regarder Boucassin. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé une de ses vidéos. Les deux dernières qu'elle a sorties, je crois que ça m'intéresse pas. Ou la dernière, juste peut-être. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, le dimanche, on va peut-être achever de parler du week-end. Le dimanche, j'ai tourné donc le haul action avec le téléphone. Et bon, bah heureusement que c'était un haul. Je trouvais que l'image était superbe. Et puis j'ai montré à Manon pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Surtout, moi je pensais au niveau du son parce que je trouvais que l'image était nickel. Puis elle me dit la qualité est quand même moins bonne qu'avec l'appareil, quoi. Et moi je trouvais pas, je comprenais pas. Elle me dit le grain est moins lisse et tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis mes vidéos une à côté de l'autre, une filmée avec l'appareil, une filmée avec le téléphone. Et oui, effectivement, là j'ai vu que c'était pas du tout la même chose. Donc je vais rester avec l'appareil en espérant que le focus arrête de me faire chier. Et que en mettant des piles Duracell, j'ai pris des Duracell pour être sûr, la télécommande va refonctionner et que je ne dois pas coller la télécommande à l'appareil, sinon ça ne me sert à rien. Entre-temps, j'avais commandé un bras articulé pour poser mon téléphone pour filmer. Vous voyez, 20 balles. 20 balles quand même, hein, que j'ai acheté pour rien.
Bon, je pourrais le retourner, hein, c'est chez Amazon, donc limite je peux le renvoyer, mais j'ai quand même le garder. Il est pratique, donc voilà, c'est pas perdu. Il est plus stable que celui que moi j'utilise pour filmer les DIY en haut, par exemple. Donc voilà. J'ai coupé les cheveux à Sam. Heureusement, c'est que sur les côtés et à l'arrière, donc ça va beaucoup plus vite, hein. J'ai installé du coup le trépied, puisqu'à force d'en discuter avec Manon, je me suis rendu compte que c'était mieux d'installer mon appareil. J'ai fait du plâtre et une vidéo Fimo. Et voilà. Mon week-end. Et ouais. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en plâtre. Franchement, c'est le raisin. Je sais pas si ça se dit raisin, mais RAYSIN. Ça faisait longtemps que je l'avais dans mon panier, mais que je me dis, c'est quand même plus cher que si j'achète du plâtre 25 kilos dans un magasin de bricolage, quoi. Quoi qu'il n'est pas si cher que ça, hein. J'ai pris 400, 4 kilos, je crois. Et j'hésitais, j'ai dit, bon, je vais attendre un peu, j'irai d'abord voir au magasin et tout. Et finalement, Manon en a acheté, elle l'a testé, et je l'ai trouvé, quand elle m'a montré ce qu'elle avait fait, j'ai trouvé que c'était tellement blanc, tellement lisse. En plus, ça a une prise rapide. Elle me disait normalement au bout de 20 minutes on peut déjà démouler. Moi je les ai laissés toute la nuit là parce que j'ai fait ça hier soir avant que l'émission que je voulais regarder commence. Donc avant 9h quoi. Donc je les ai laissés toute la nuit et avant de les peindre je vais attendre quand même demain pour qu'ils soient pas trop humides, quoi qu'ils ont pas l'air. Hein, mais par contre je me demande si la peinture va tenir dessus parce que c'est quand même hyper lisse quoi. Alors j'ai voulu faire, enfin j'ai voulu, je l'ai fait, hein, mais. Un chapeau de sorcière comme ça en plâtre, hein, donc c'est celui normalement de la petite maison. Voilà, et vous voyez ici, le plâtre n'a pas été partout, donc je pense que je vais juste coller quelque chose ici sur le côté une fois que je l'aurai peint. Hein. Mais c'est super lisse, quoi, je vous jure, c'est super lisse. Et il est compatible avec les aliments, donc vous pouvez vous faire des assiettes, des plats, mettre, faire une corbeille de fruits, je ne sais pas. Bon, il n'a pas été non plus au bout ici du petit chapeau, mais ce n'est pas grave, je peux toujours coller un petit pompon et encore comme ça ne choque pas. J'ai fait le Bambi, comme ça, qui est un porte-bijoux, hein, en gros si on veut. Là, je vais juste le peindre en noir multichrome, enfin avec des reflets duochrome plutôt, et le mettre en déco dans mon fond. Mais qu'est-ce que c'est lisse, je vous jure, c'est. Par contre, le moule, c'est un enfer. Il ne tient pas parce que c'est pas un moule complet en dessous. En fait, vous avez le nez, donc vous posez sur le nez, et vous avez une planche en bois ici avec des pieds pour le stabiliser pour les cornes. Mais à chaque fois, il partait comme ça. J'ai renversé le plâtre sur ma table. Heureusement que c'était en plâtre et pas en résine, parce que la résine, ça m'aurait niqué toute ma table, quoi. Mais je trouve ça très beau. Donc ça, c'est un que Maryse m'avait envoyé. Et pareil, j'ai fait l'autre. Alors du coup, c'est hyper lourd. Heureusement que je ne l'ai pas fait en résine. J'aurais bouffé tout un bidon de résine. D'ailleurs, j'avais pas assez de plâtre pour faire le fond, mais ça se voit pas trop. Regardez comme c'est beau. C'est un panier avec des fleurs, un nœud et des fleurs dedans. Regardez les détails. Les fleurs ont super bien pris. C'est sublime. C'est super beau. Mais alors, qu'est-ce que c'est lourd? Je vous jure, c'est hyper lourd quoi. Heureusement que je ne l'ai pas fait en résine parce que je vous dis, vu la taille du moule, j'aurais pris ça tout. J'aurais utilisé un bidon de résine quoi. Maintenant, ça aurait peut-être été moins lourd. Mais je trouve ça trop joli. Voilà. Donc, tu vois, Maryse, j'arrive presque au bout. Non, pas encore. Mais j'allais dire presque au bout des tests des moules de Maryse, mais non, pas encore. Donc là, après, j'ai. Manoche avec mon café. Je vais démouler ma résine. Donc ça, je filme pour faire une vidéo pendant le calendrier de l'Avent de Noël où je ferai la compile du démoulage de résine. Je sais que ça plaît à pas mal de monde et que surtout Ludivine, par exemple, qui se sert de ça pour savoir ce qu'elle va me commander. Et j'ai commencé ma déco de Noël aussi en résine. Et pour faire mon sapin, j'ai fait en fimo hier. Voilà, comme ça, j'ai demandé à Manon si elle en voulait aussi. Alors, pour mettre, ben, je les ai préparés ailleurs. Attendez, je sais plus où je les ai foutus. Bon, je vais vous montrer ceux-là. Celle-là, c'est pour Manon, mais moi, je m'en suis faite pour moi pour coller sur ma déco de Noël. Des petites cannes à sucre ben, classiques, hein, rouge et blanche. Voilà. Donc, le blanc, il est pailleté, mais on ne voit pas super bien. Et voilà, comme ça, Manon, elle en aura de plusieurs tailles.
J'en ai fait une ou deux aussi en rose, comme moi j'ai fait là pour mettre dans mon sapin. Oui, j'en ai fait deux, mais pour mettre dans mon sapin. Voilà, là pareil, hein, j'ai fait plusieurs tailles, vu que mon sapin est rose. Hein, enfin, l'année dernière, je crois que je ne l'avais pas fait en rose, mais vous voyez, j'ai fait plusieurs tailles, comme ça je peux en mettre un peu partout. Et elles seront assorties à la couleur. Normalement, j'en mets tous les ans. Des cannes à sucre, mais je mets des vrais comme ça quand les gosses ils viennent. Bon, je vais sûrement quand même en acheter des vrais aussi parce que, comme on fait Nouvel An à la maison avec mon frère, les gosses adorent picorer ça en fin de soirée dans le sapin et les manger. Donc je vais quand même certainement en mettre, mais je pense que je les mettrai que le jour du réveillon, quoi, voyez. Donc voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. Ah si, je vous avais montré que j'avais fait mes ailes hein, pour le make-up de clôture de Halloween, c'est pour le dernier. Donc je crois que vous vous êtes douté un peu du thème. Et là, j'ai fait un autre accessoire. Faut que je le mette encore sur un serre-tête. Et voilà, j'ai fait ça avec du fil d'alu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Argenté et noir. Donc pour le petit spoil, c'est le Dark Angel, puisque tous les ans je fais un make-up dark quelque chose. J'ai fait Dark Sirène, Dark Fairy, et je ne sais plus quoi. Donc cette année, je fais le Dark Angel, et je pense que l'année prochaine, ça sera... J'avais pensé à quoi? Licorne? Dark Licorne? Enfin, Dark Unicorn? Ou je ne sais pas. Voilà, si vous avez d'autres idées pour l'année prochaine... Bah, dites-moi ça en commentaire, un truc dark. Oui. En fait, je dérive un truc mignon, enfin mignon, féerique, en dark. Voilà. Donc, l'ange va très bien avec la fée et la sirène. Ouais, il reste la licorne après. Je pourrais plus en faire pendant 10 ans, hein, les vidéos comme ça. Ouais, je trouverais bien. Voilà, mais je peux peut-être déjà vous expliquer comment ça va se passer pour Halloween. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait. Parce que là, moi, il me reste deux vidéos à tourner. Enfin non, une vidéo plus une intro à tourner. Et j'ai fini toutes mes vidéos de pré-Halloween. Enfin, de avant Halloween, quoi, d'octobre. Donc, on commence le 21 avec un live où on ferait les potions avec vous. Normalement, ça devait être une vidéo, mais là, du coup, on le fera en live. Le spooky vlog le 22, je mettrai quand même un spooky comme ça, mes intros correspondent, vous voyez, au thème d'Halloween, voilà, tout simplement. Make-up le 23, DIY le 24, make-up le 25, make-up le 26, DIY le 27, make-up le 28, spooky vlog le 29, make-up le 30 et le 31. Voilà. Comme ça, vous savez, oui, il y a plus de make-up que de DIY. Parce que j'adore faire les make-up d'Halloween. Et voilà. Et ah oui, je tenais aussi à vous remercier tous sous précédent vlog pour vos messages de soutien et de compréhension et tout ça par rapport à bébé Luna. Je sais que ça vous a touché énormément. Comme j'ai répondu à certains, c'était notre bébé à tous. Vous l'avez vu naître, vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu faire ses conneries. Donc je sais que ça vous touche. Quasi autant que moi, hein. Je sais qu'il y en a qui étaient très attachés, voilà, donc je comprends tout à fait que ça vous fasse de la peine également. Nous, on s'est remis, parce que voilà, bon, on ne peut pas déprimer pendant des jours et des jours, mais ce matin, par exemple, quand j'ai fait sortir les chichous, Cuny était au bain, et je la regardais, et je disais, ah, ça me manque de ne pas voir bébé Luna se laver, quoi, enfin au bain, dans le bain de sable, hein. Mais ça me manquait de ne pas la voir parce que bébé Luna, quand elle allait au bain, c'était on voyait qu'elle était la plus heureuse du monde, quoi. C'était son moment préféré de la journée. Et ouais, là, ça m'a fait un petit pincement parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me manque. Après, c'est super calme, hein, depuis qu'elle est plus là. Quand je l'ai fait sortir, j'ai pas besoin de gueuler. Hein. Mais ouais, ça me manque quand même, quoi. Voilà, mais les deux gros vont bien. Ah oui, pour tous ceux qui m'ont demandé aussi, les deux gros vont bien. Je crois qu'ils ne se rendent pas vraiment compte, en fait. Là, on leur a acheté un panier en osier pour mettre dans la cage. Donc, j'ai enlevé le petit cochon que j'avais mis avant, qui avait plus l'odeur de Luna, puisque c'est elle qui squattait tout le temps. Là, ils dorment bien dans le petit panier, ils aiment bien. Mais, ouais, je pense que ça va. Je pense pas qu'ils ressentent, en fait. Tant qu'ils sont à deux,
Je pense que ça ira. C'est s'il serait seul, ça aurait été Gougou tout seul. Je pense que Gougou tout seul peut tenir parce qu'il est fort proche de moi, donc ça compense. Mais Queenie toute seule, soit elle va redevenir hyper sauvage, soit elle va se laisser mourir. Hein. Donc faut pas que ça soit Gougou qui parte en premier des deux qui restent. Et puis de toute façon, je tiendrai pas. Si c'est Gougou, je vous jure que là, je vais vraiment avoir du mal parce que je suis vraiment très 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 proche de lui. Tous les matins, j'ai mes petits câlins, mes petits bisous, tout ça, donc il m'appelle quand je m'occupe pas de lui. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Déjà, Luna, ça a été dur, mais alors Gougou, ça sera pire. Queenie, ça sera triste, mais je veux dire, comme elle est moins proche de nous, on aura moins le manque affectif. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'elle nous manquera pas ou qu'on l'aime pas, c'est juste qu'il y aura moins le manque affectif derrière, puisqu'on partage moins de choses avec elle, vu qu'elle, quoi qu'elle commence un peu plus avec moi. Ouais. Bah après, c'est 2-3 caresses et puis basta. Hein. Elle n'aime pas trop qu'on la chipote. Après, voilà, chacun son caractère. Il y a des chats qui n'aiment pas les caresses non plus. Donc, voilà, chacun son caractère, comme on dit. Bref, oh, ça fait déjà 20 minutes. Bon, allez, sur ce, on suit du jour. Demain, je vous montrerai. Je reçois donc mes couverts aujourd'hui et ma commande Temu. Donc, je vous montrerai ça demain. Je testerai juste la guirlande et puis j'ai hâte de la mettre sur mon sapin en décembre. Oh là 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 là. Voilà. Allez, sur ce, on switch. Alors, il est 9h01 et j'ai plus de café. De toute façon, je vais devoir redescendre. Je reçois plein de colis aujourd'hui. C'est Noël. C'est Noël. Je reçois plein de colis. Il faut que je prenne mon serre-tête et que je prépare ce qu'il me faut pour tourner demain. Je viens de me rajouter sur la tronche un make-up d'Halloween. Eh ouais. Attendez, je cherche après mon serre-tête parce que si je vous le dis, je vais encore m'énerver. Il me faut un noir. Ouais, mais il est un peu abîmé. Non, bah, je prends ce qu'il y a en dessous dans mon truc. C'est quoi ça? Je retrouve des décos, enfin des accessoires, je sais même plus ce que c'est, quoi. J'en peux plus, hein. Ah oui, c'est mon truc cabaret, ça. Bah, c'est une plume blanche. Ah oui, c'était des plumes noires. Ah, je me souvenais plus que je les avais achetées. Magnifique. J'étais en train de réfléchir à comment faire le make-up que j'avais prévu parce que je n'avais pas de plumes noires et je viens de les trouver. Trop bien, j'en viens d'acheter. Il y a des plumes qui volent. Bref. Oui, donc je vous disais, je me suis rajouté un make-up d'Halloween parce que ben, je vous ai expliqué que je devais faire le make-up de mon neveu là dans 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Et du coup, j'ai eu l'idée de son make-up et me suis dit, tiens, je ferais bien sur moi aussi. Donc voilà, donc c'est un make-up clown, hein, je vous l'ai dit, pour elle avec sa tenue, sauf que moi je vais changer les couleurs parce que j'ai envie, tout simplement. Et voilà. Donc moi je vais préparer ça pour filmer ça demain, puisqu'à partir de demain j'attaque les vidéos d'Halloween. Il faut que j'installe mon fond pour pouvoir les tourner. Je suis en train de me dire, oh putain, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, mais non. Ouais, et ben moi je vais redescendre. Je ne retrouve plus ma télécommande de mon appareil. Faut que je cherche après parce que je reçois la nouvelle pile aujourd'hui. Je sais plus où je l'ai mise. Elle doit être en bas. Je crois que j'avais regardé la dernière fois que je l'ai laissée en bas. Je vais aller voir. Je vais aller me refaire un café, faire un petit pipi. Je vous reprends en bas. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier et la déco de Noël que je me suis faite hier. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, je vous reprends en bas quoi. Alors, il est 10h18 maintenant. Oui, le temps passe. Après, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Enfin, plusieurs choses que j'avais à faire. Je vais vous montrer les commandes que j'ai reçues. J'en ai reçu deux encore. Et j'en attends encore une. Je reçois mon couvre-lit de Chine. Je vous montrerai demain parce qu'à mon avis, il va venir plus tard. Bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu hier. Désolée pour les bruits de papier.
Alors, je vous ai dit que j'avais commandé des couverts, un lot de pour 6 personnes. Donc, vous avez fourchette, couteau, cuillère à soupe, cuillère à café en pétrole slash graphite. Donc, je vous en ai gardé un de chaque. Les autres, je les ai déjà rangés pour la maison. Voilà, tout simplement pour utiliser tous les jours. Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. Magnifique. Ils sont canon. Le manche est canon. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ils sont assez fins. Franchement, ils sont magnifiques. Et franchement, pour le prix, je n'en reviens pas de la qualité, quoi. Pour ce prix-là, vous avez des conneries pas possibles qui tiennent deux fois et que après, on en avait acheté des en plastique. Je les ai achetés hier parce que on en avait acheté des basiques qu'on trouve chez Action et tout ça avec le manche en plastique. Il y a un moment, j'ai pris mon couteau pour couper ma viande. Le manche du couteau, il s'est coupé net, quoi. Donc j'ai dit là, non, c'est pas possible. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Je vais vous donner le prix. Attendez, hein, parce que on peut essayer un petit peu. En même temps, je suis en train de regarder mes émissions criminelles là. Alors ça bug un peu avec la télé. Donc j'ai pris les holographiques et je vais déjà vous sortir un noir de chaque parce que j'en ai pris deux lots en noir pour aller avec mon service quand je reçois. Je vais en sortir. Je ne les ai pas déballés les noirs encore. Je crois qu'ils n'étaient pas au même prix tous les deux. Ça ne joue pas grand chose. Hein. On est d'accord. Détail de la commande. En plus j'ai un problème avec AliExpress. Les images ne s'affichent plus depuis. Non, c'est les paillettes. Je crois que vous n'avez même pas montré les paillettes. Mini-épingle, un autre. Ah, j'ai pas encore confirmé, c'est pour ça que je ne le trouve pas. Ben non. Ah ben non, c'est sur Chine que j'ai commandé. N'importe quoi. Alors, je recommence. Mes commandes. Alors, détail de ma commande, on va y arriver. Alors, le 24 pièces en multichrome, là, pétrole, il est à 21,25€, sauf qu'avec le code de 15% TSX15 qui passe tout le temps. Apparemment, il est valable jusque fin 2024, si j'ai bien vu. Donc, voilà, d'ici là, j'en trouverai certainement un autre. Ils me sont revenus à 18,06€. Les 24 pièces en noir, ils sont à 24€. Et avec le code, ils sont revenus à 20,40€. Donc là, j'ai pris deux lots pour, parce que j'ai un service de 12 personnes. Donc voilà le couteau. C'est très classe, quoi. En noir, comme ça, c'est hyper classe. Et je crois qu'ils sont aussi en argenté. Franchement, j'ai hésité avec les argentés pour tous les jours. Mais j'aime tellement, moi, l'effet pétrole, caméléon, comme ça. Ils sont en noir, en multicolore, en doré et en argenté. Alors, doré aurait été largement mieux, je pense, avec mon service, puisque c'est juste des assiettes blanches avec un liseré doré. Mais je voulais les noirs. Comme ça, si je change mon service, ils iront quand même avec tout. Donc ça, c'est la petite cuillère, la cuillère à café. Donc, je vais quand même les laisser emballer une par une. Mes tocs, hein, pour pas qu'ils se griffent. Avant Nouvel An, puisque j'ai mon frère qui vient manger le Nouvel An. On va pouvoir les inaugurer ensemble. J'essaye de choper une fourchette. Alors la fourchette, c'est mal fait. Le sachet pour le sortir, c'est le côté piquant. C'est très joli. Hein. Franchement, ça fait très classe et ils sont agréables en main. Je suis hyper contente, quoi. Franchement, je suis vraiment satisfaite pour le prix. Et la cuillère à soupe. Donc, vous les recevez emballés un par un, comme ça, dans des sachets en plastique. Et voilà la cuillère à soupe.
J'aime bien les formes en plus. Elle est en train de ronfler, mon cul. Oui, j'ai le chien couché derrière moi, hein, par ailleurs. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de place pour mon pied. Alors, je range ça. On va pouvoir les ranger dans l'armoire avec mon service spécial invité. Donc, j'ai reçu ça. J'ai reçu ma pince à cheveux. Regardez-moi cette beauté. Donc, elle est grande, hein. Et par rapport à ma main, elle fait la taille de ma main en gros. Mais elle est magnifique et dans les cheveux ça donne trop bien. Voilà, d'après ce que j'ai vu en dans le truc. Mais ça c'est pas AliExpress, c'est pas Shein, ça c'est Temu. Donc, je vous mets les liens parce que. Donc bon, j'accroche ça comme une grosse caca, mais voilà. Je pense que vous voyez. Ah, peut-être pas, je suis peut-être un peu haut. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle a l'air trop belle. Je vais la laisser dans mes cheveux pour l'instant. Sur Temu également, j'ai reçu mes gobelets. Alors, j'en ai déjà utilisé un. Oh, regardez-moi cette beauté. 20 balles le gobelet, hein. On est d'accord. C'est moi qui voulais pas m'acheter un Jeffree Star. Jeffree Star a sorti un. Mais c'était en plastique, là c'est en métal quoi. On sort à chaque collection et il en avait sorti un multichrome justement. Et j'ai hésité longtemps, hein, mais je me suis dit 25 balles pour un gobelet et là j'ai quand même mis 20 balles. Mais il est plus beau, hein, voilà. Mon petit bout là il est magnifique. Et vous pouvez soit mettre la paille ou fermer et vous pouvez aussi l'utiliser pour boire, vous voyez, au bec verseur quoi. Moi j'apprécie pas trop, moi j'aime bien boire la paille donc voilà, j'ai mis ma paille dedans. Je suis trop contente. Et celui-ci est un petit peu moins cher, mais pas beaucoup. Un brebis de Noël. Il est trop beau. Alors, je pense, ça, clairement, vous le mettez deux fois au lave-vaisselle, ça part. Hein. C'est juste collé dessus avec leur machine, là. C'est un gobelet en métal aussi. La fermeture n'est pas tout à fait pareille ici. C'est juste un poussoir, comme ça. C'est bien pratique aussi. Mais vous pouvez également glisser votre paille ou boire au bec verseur. Donc voilà, je switch normalement tout le temps avec mes deux mêmes gobelets, et ben là je serai donc ce sera celui-là. J'ai mal au cul avec elle. Mais si j'essaie de la virer, elle va me grogner dessus. J'ai reçu ma guirlande de Noël. Alors elle est. Quand j'ai reçu la boîte, j'ai dit c'est ça ma guirlande, je me suis encore fait couillonner, j'ai pas regardé. Pourtant c'est une grande taille. Hein. Il y a 20, elle fait 20 mètres, je crois, et il y a deux. Non, attendez, je ne sais plus. Je vais prendre le site pour avoir les infos, ça sera plus simple. Là, c'est sur Temu. Les gobelets aussi. Et la pince à cheveux aussi. C'est la dernière commande Temu que j'attendais. Hein. Maintenant, il faut que je me calme. Jusque quand, je ne sais pas. Mais je vais essayer de me calmer. Oh. Donc, le premier gobelet, il est à 20,48€ le hibou. 12,98€ le Bambi. Donc, il est quand même vachement moins cher. La pince, 1,47€. Franchement, pour le prix, voilà. La guirlande, elle est à 17,99€. Donc, j'ai pris la plus grande. Elle fait 20 mètres et il y a 200 LED dessus. Et vous avez également l'application. Donc, je vais la brancher sur mon PC pour vous montrer. C'est une prise USB. Donc, comme on voit partout maintenant, hein, les trois quarts s'utilisent comme ça. Attendez, je vais brancher mon... Je vais ouvrir mon petit PC portable. Enfin, mon PC portable. Je couche tout mon portail. Parce que l'autre il est un peu loin, il faut juste qu'il s'active pour que ça fonctionne. Vous avez le bouton ici d'allumage et de réglage aussi, et c'est également le truc Bluetooth pour l'application. Et j'arrive pas à le mettre dedans. Donc voilà, là elle est allumée classique quoi. Vous voyez, elle clignote, c'est très beau, vous avez multicolore. Par contre, ce que je comprends pas, c'est regarder à l'intérieur, c'est plus rouge. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont tous. Mis l'un sur l'autre probablement. Donc vous avez également la télécommande, vous pouvez le régler sur la télécommande on off, régler les couleurs, voilà, vous voyez, vous avez plusieurs couleurs, tout ce qui est plus classique. Vous pouvez inverser le sens aussi. Attendez, là c'est
Ah oui, ça clignote, regardez comme ça. Vous pouvez choisir, je crois, là, non, ça c'est la luminosité, le timer. Vous avez 4 heures, 8 heures, mode 1. C'est très beau. Mode 2, regardez comme ça fait beau, ça se fait comme des petites étoiles. Mais voyez, à l'intérieur, il fait plus orangé. Et j'ai pas envie de la dérouler maintenant, hein. On testera ça vraiment sur le. Et le off, on, voilà. Enfin, il y a plusieurs petits boutons. Et vous avez également l'application. Donc vous avez un papier avec un code QR. Alors moi, il m'a dit qu'il m'a détecté un truc dangereux et tout, alors qu'au final, non. C'est ID LED. Voilà, autorisé, oui, forcément, il me faut le Bluetooth, il faut qu'il l'active. Et donc, je vais l'allumer. Attendez, s'il veut bien. Non, il ne veut pas. Ah, si, ça y est. Donc, voilà, je l'ai allumé. Alors, vous avez. Il y a le rythme aussi. Donc, il clignote sur le rythme des musiques que vous mettez. Chronométrage, donc là, vous pouvez choisir, regardez. Les jours, les heures et tout pour l'allumer et le désactiver, ça c'est génial parce que ben voilà, si vous oubliez ou quoi, c'est génial. Vous avez la fonction DIY, donc là vous pouvez choisir vos couleurs et tout. Alors j'ai pas trop chipoté, vous voyez ici, on passe dans le vert, hop, on passe dans le mauve. Attendez, je vais peut-être faire comme ça, on verra peut-être mieux. Voilà, vous pouvez ici. Je sais pas trop. Vous voyez, vous pouvez choisir ici directement. Après, je sais pas trop. Ici, vous pouvez choisir directement. On va mettre les premières en verte, par exemple. Voilà. Hop. Enfin, pas toutes. Elles ne se sont pas toutes sélectionnées. Après, je veux une bande rouge. Hop. Ça fait plus rose, là. Mais, enfin, ouais, j'ai cliqué sur le rose. Autant pour moi. On va mettre une bande bleue après. Et voilà, et vous pouvez choisir chaque. Si vous voulez mettre une ampoule bleue, une rouge à côté, une verte à côté. Voilà. Après, ce que je trouve pas, c'est pour l'animation. Parce que c'est. Bon, il y a des trucs qui sont écrits en chinois. Là, je comprends pas trop comment est-ce qu'on passe à l'animation. Donc, moi, je suis restée dans le scène. Et là, vous avez ben, soit le sapin, soit si vous faites une couronne pour accrocher à votre guirlande, même pour un palmier, si vous faites des décos, enfin, vous voyez, des écritures pour mettre dans une voiture, dans un salon, enfin, il y a vraiment énormément de choix. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément le sapin. Et là, vous pouvez choisir plusieurs trucs. Voilà, il y a plusieurs clignotements. Là, c'est un que j'ai personnalisé pour avec mon sapin, vous voyez. Il y a plusieurs styles de clignotement. Mais ça, c'est trop beau, quoi. Et vous pouvez bien sûr changer toutes les couleurs des trucs. J'aime trop. J'aime trop. Je vais m'éclater avec cette guirlande là. J'ai hâte de la tester sur mon sapin. Donc on verra bien. Là, je vais déjà l'éteindre parce que bon, on n'est pas encore à Noël. Malheureusement. Voilà, donc ça je vous ai montré, je peux ranger pour noyau. Oh, j'ai trop hâte. J'ai presque plus de batterie. Je vais refermer mon PC pour pas que vous entendiez le truc. Alors, j'ai reçu, c'est tout, hein. En haut, je crois que je vous ai tout montré. Hein. J'ai reçu le cadeau de mon frère. On va le découvrir ensemble. Bien que j'ai perdu mon ciseau, non, je l'ai pas perdu, hein. Je l'ai oublié là-bas. Ah, mon cutter aussi. Un petit ici. Encore des détachés. Donc c'est emballé dans un carton, donc il me faut quand même mon cutter, il faut que je me lève, bordel. Oh, allez, descends, j'ai mal les fesses. Allez, descends. Allez. Regardez comme je vais me faire engueuler. Voilà, merci. Alors,
Franchement, c'est grand. Hein. Je pensais pas que ça serait si grand. Donc, ça doit être des belles quantités de sauce. C'est bien. Alors, je me suis levée pour prendre mon cutter alors que j'en ai un autre dans mon tiroir. De toute façon, je vais le laisser emballer dans le carton après. Hein. C'est juste pour vous montrer et voir qu'il n'y a pas de casse. Mais je pense que s'il y avait eu de la casse, vu que c'est des huiles piquantes, ça se verrait déjà à travers le carton. Mais si ça peut vous donner une idée de cadeau, je vous mets le lien aussi en barre d'infos au cas où. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les sauces piquantes, thank you. De rien. C'est trop beau. Regardez. C'est génial. Franchement, ça présente super bien, quoi. Et les huiles piquantes sont une belle quantité. Est-ce qu'ils disent il y a 315 grammes en dessous? Mais ils disent pas par flacon. Non. Et bon, c'est des belles quantités. Hein. Il y a 7 sauces, je crois. 2, 4, 6, 7. Ouais, c'est bien ça. Qu'une pour tous les jours de la semaine. Vous avez init, salsa, verde, hot sauce. Blaze. Je ne sais pas toutes les lire. Hein. Smoke heater. Bourbon pepper sauce. Hot sauce. Habanero. Raging Inferno. Hot sauce, pack, draft, bombero mexican et firehouse, je sais pas c'est quoi. Mais voilà, je pense que mon frère ça lui plaira bien. Donc voilà, je vais préparer ça pour mettre en haut. Et j'ai reçu mon Moulinex, mon mixeur, donc je vais pouvoir faire la bouffe des titis tantôt. Un gros carton, un gros carton. Le facteur il est arrivé, mais non. Oh merci. Alors, c'est Noël, j'ai payé, hein. Alors, franchement, il est léger parce que le bac est en plastique. Et ça, c'est pas plus mal pour moi parce que il y a des trucs. Bon, attendez, je suis coincée. Non, là, ça. J'ai pas faim. Hop là. Donc voilà, c'est celui-là. Voilà, tout simplement, c'est un blender. J'utilise énormément le blender chez moi. C'est un 2 litres et 600 watts. Et voilà, moi je vais tester ça tantôt, je ne vais pas le déballer avec vous. Parce que, tout simplement, ça fait encore 18 minutes que je filme. Et je vais encore vous montrer les décos de Noël. Ah, bon, je vais me dépêcher à faire ça. Donc, hier, je me suis amusée déjà à me faire mon porte-clés dragon. Voilà, j'ai mis un petit œuf de dragon et j'avais fait un comme ça en résine. Hop là, avec les stickers hein, que je fais. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Mais alors, les paillettes, c'est de la bombe atomique. Voilà, donc je vais pouvoir le mettre après mes clés. Et je me suis amusée avec mes restes de résine, hein, comme je fais d'habitude. J'ai fait des petites décos pour mon sapin de Noël. Donc j'ai mis juste un fil à coudre. J'ai fait les petites ailes d'ange, là j'ai mis les petits détails en blanc, puisque mon sapin est toujours blanc et rose en principe. Je pensais que le produit ressortirait un peu plus rose, puisque c'est un truc rose, mais bon. Je pense qu'avec les... Allez, les loupiottes, ça ressortira mieux. Mais les paillettes, elles sont juste canon. J'ai fait celui-là aussi... Voilà. J'ai fait un petit cadre comme ça et je trouve que ça sera sympa à mettre dans le sapin. Petit truc un peu baroque comme ça. Je verrai bien après hein, ce que je mets ou pas. J'ai fait des petits nœuds, donc là j'en ai mis 2 ensemble. Voilà. Mais je pense que je vais en refaire des tout simples. Transparent, enfin blanc, vous voyez, avec juste des paillettes dedans. Et j'ai fait ça. Voilà, dans celui-là, j'ai mis un petit nœud à l'intérieur. Après, j'ai encore toutes les étoiles que j'ai fait avec le grand moule à étoiles que Manon m'avait donné. Voilà, j'ai plein de petites étoiles. Ça, c'est peut-être un peu petit pour des décos de Noël, je sais pas encore. Je verrai bien ce que j'en fais. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire?
Oui, il faut que je pense que je vais faire ça ce soir en fimo. Je vais faire des petits bonnets de Noël pour mettre dans le sapin aussi rose, puisque pour l'être, mon sapin rose est là. Et alors, vous savez, les décos que je fais là, comme ça, je m'en suis fait une pour Noël. Elle est trop belle! Donc, toujours le même truc que normalement, c'est un. Pour faire un vase. Ça et ça, c'est le même moule. Enfin, c'est deux parties différentes, hein, mais c'est le pot avec le nœud. Le petit Papa Noël, c'est un que j'avais acheté. Hein, voilà, celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, si vous me le demandez, je ne sais pas vous le refaire parce que. Je ne les ai pas refaire. Les petites cannes à sucre, je les ai fait en fimo. Je vous les ai montrées hier. J'ai fait pareil, des petites étoiles, je les ai collées dessus. Et j'ai mis juste de la fausse neige et des petits pompons rouges et blancs. Et. Tadam! Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc hier, j'ai passé ma soirée à faire bah, les deux que on m'a commandé. Plus celui-là pour moi. J'ai passé ma soirée à faire ça en regardant. Bah, d'abord, on a regardé le meilleur pâtissier, comme tous les lundis. Et en Belgique, c'est le lundi. Et après, j'ai regardé, j'avais mis enregistré Les yeux grands fermés. Donc, un téléfilm français avec Muriel Robin là, sur l'inceste. C'était un très, 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 très beau film. Voilà. J'adore les productions TF1 quand c'est des histoires comme ça, comme Daval, le petit Grégory et tout ça. C'est des histoires que j'adore. L'emprise. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Jacqueline Sauvage, tout ça, c'est des trucs que j'adore, les productions TF1. Je suis pas film français du tout, de base, mais les productions TF1 là-dessus, franchement, ils gèrent. Voilà, bon, sur ce, ça fait déjà 23 minutes que je blablate. Ce vlog va être extrêmement long et chiant. Bah écoutez, sur ce, on suit du jour. Demain, je vous montrerai mon superbe couvre-lit. Allez, à demain. Alors, oups. Il est 10h. J'ai tourné le premier make-up d'Halloween ce matin. Oui, je l'ai dû enlever hein, pour pas vous spoiler. C'est pour ça que j'ai encore les chignons sur la tête. J'avais fait. Enfin, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Donc, hier, j'ai pas reçu mon colis. GLS, là. Donc, mon couvre-lit. Donc, je vous montrerai demain parce que du coup, je le retrouve aujourd'hui. C'était marqué que. Indépendamment de leur volonté, il y avait eu un problème pour me livrer mon colis à temps. Je dis ça, à mon avis, c'est le livreur qui a paniqué parce que c'est un black et les blacks ont peur de mon chien. Mais il a une peur panique, le pauvre jeune. Il me fait toujours de la peine parce que je bloque l'accès, donc les chiens ne savent pas aller à la porte. Quand je sais que GLS vient, je sais que c'est souvent lui. Et du coup, je sais qu'il a une peur panique du chien. Donc, je bloque l'accès au couloir pour les chiens pour quand il vient. Donc ils savent pas aller jusqu'à la porte. Mais du coup, il sonne et il me tend le colis comme ça sur le côté de la porte. Je le vois même pas en fait. Hein. Et la dernière fois qu'il est venu, attention chien, mais je dis, vous risquez rien. Je le bloque, enfin je les bloque les chiens. Et je ne sais pas pourquoi les blacks ont souvent peur de mon chien. C'est souvent, hein. Bon bah Valdor n'a pas peur, heureusement, parce qu'elle est bien à la maison. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont si peur que ça. Même des petits chiens, j'ai déjà remarqué, ils ont plus facilement peur. Je sais pas pourquoi. Après, je pense pas que dans les pays africains et tout ça, ils aient vraiment des animaux de compagnie. Faudrait que je demande à ma belle-sœur, tiens. S'ils ont des chiens, des chats et tout ça. Ouais. Faudrait que je demande. Oh, la dernière fois, j'ai rêvé que j'allais en vacances dans la famille de ma belle-sœur. Ils habitent au Kenya. Ah, mais mon Dieu, que c'était agréable. Rien qu'un rêve, c'était super agréable. Voilà, c'était très beau. Et je me souviens que dans mon rêve, j'ai rêvé de plein de trucs traditionnels de là-bas, alors que j'y connais rien, à part ce que ma belle-sœur me raconte. Mais c'était très beau. Oui. Bref. Donc, je reçois mon couvre-lit aujourd'hui, donc je vous montrerai demain. Hier. J'en pouvais plus. Hier, j'étais crevée, j'étais pas bien, j'avais mal partout. Faut que j'arrête avec la fimo là, mais je suis tellement dans mon obsession de Noël en ce moment que j'arrête pas de me faire des décos de Noël. Faut que j'arrête parce que j'aurais plus assez de place dans mon sapin. Là, hier, j'ai fait des bonnets pour mettre dans mon sapin. Voilà. Des comme ça. Donc, toujours dans les teintes de mon sapin. Et des plus petits.
Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre les ficelles. Je vais pouvoir les ranger avec les autres. J'ai fait le petit Pokémon. C'est pas un Pokémon, hein, mais voilà, c'est un petit Gugus que j'ai fait, que vous allez bientôt voir la vidéo. Et que Manon, elle a adoré. Donc elle m'a dit, ah, je veux le même. Donc du coup, je l'ai refait. Et voilà, j'ai toute une armée de Gugus hein, maintenant. Je vais pouvoir lancer la guerre, moi, bientôt. Et je suis en train de, en même temps que les vidéos d'Halloween, enfin quoi que je pense que je vais devoir terminer ça après, de vous préparer la vidéo sur les poudres Mika. Donc je vous avais demandé si ça vous intéressait, intéresserait que je fasse une vidéo où je vous explique toutes les utilités que moi je connais pour la poudre, pour les poudres Mika, que j'achète beaucoup, hein, vous avez remarqué, mais moi je l'utilise principalement pour la résine, mais... il y a d'autres utilités. J'ai filmé mes ongles, donc je vous montre pas trop puisque c'est pour la vidéo. Et j'en ai profité pour me faire des bijoux que je vous montre également dans la vidéo. Du coup, vous allez voir mes ongles quand même. Donc, ce que je vous dis, c'est n'importe quoi. Je les ai fait assortir mes ongles, là, du coup. J'en ai fait deux autres. Alors, attendez, parce que mes doigts sont pas assez gros pour les, pour les bagues. Je vais les mettre comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez voir. C'est assorti à mes ongles, du coup. Donc j'ai fait celle-là et je me suis fait deux avec un une espèce de strass. Je croyais avoir trouvé le système pour le focus de l'appareil et non, c'est toujours pas top top. Donc, voilà, ici j'ai mis un strass, normalement c'est un strass pour les ongles, et là c'est un strass en forme de rose que j'avais dans les de strass, c'est chez Action, vous avez souvent tous les gros sachets de strass, il y a des strass un peu différents comme ça dedans, il y en a des très beaux. La dernière fois j'ai eu des cœurs avec des princesses Disney dessus, donc j'avais fait un pendentif avec un Blanche-Neige dedans pour Manon, mais voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors hier j'ai fait une story pour dire que 47 minutes, par ça j'ai pas une grande gueule, hein, 47 minutes de vlog en deux jours. Donc sur lundi et mardi. Et Maëlle m'a tout de suite marqué interdiction de sauter un jour. Voilà. Mais il ne m'a pas dit que je pouvais. Enfin, il ne m'a pas interdit de faire des journées de 5 minutes, par exemple. Hein, vous voyez, de vlog. Voilà, voilà. Hier, j'ai lavé tous mes pinceaux. J'ai préparé les colis pour les commandes en résine qu'on m'a fait. Ça me touche vraiment beaucoup. Et là, j'en ai encore une pour Noël de la part d'Amy cette fois-ci. Pour des cadeaux de Noël, donc ça me touche vraiment qu'elle me fasse confiance pour lui faire des cadeaux à offrir, quoi. Donc ouais, ça me touche beaucoup et j'adore faire ça. Quand c'est pour vous, je prends encore plus le temps, j'essaye de trouver encore plus d'idées de déco à mettre dessus et tout ça, donc j'adore. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup beaucoup. Donc là ils partent tout à l'heure, chérie les a pris avec pour les déposer après le boulot. J'avais fait également une vente vintage, donc ça partira en même temps. Et voilà, là il faut que je vois ce soir avec chérie, maintenant que septembre est terminé, normalement c'est et que l'inventaire est passé. Normalement ces journées de boulot pourraient être un peu moins chargées, bien qu'il ait de nouveaux clients, donc ça lui fait du boulot. J'ai une mèche, je ne sais pas où est-ce qu'elle vient là. Donc voir pour le dentiste pour que je puisse prendre rendez-vous chez le dentiste. Voilà voilà, bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui, là je suis crevée hein, mais franchement hier j'étais pas bien, hier j'avais pas le moral, j'ai dit à chérie j'ai envie de pleurer, je sais même pas pourquoi, après je pense à bébé Luna, enfin il y a plein de trucs qui font que hier franchement c'est pour ça que je me suis changé les idées en faisant de la fimo, en faisant mes ongles, en préparant les vidéos d'Halloween et tout ça. J'ai mis mon fond d'Halloween, donc ça je vous montre pas, hein, vous le verrez. Du coup, ah oui, le live, je saute du coq à l'âne, mais le live pour le 20 octobre, que je vous ai dit qu'on ferait les potions, finalement je vais pas les faire parce que j'en ai déjà plein en haut. Je sais pas où les mettre. Et du coup, on fera un live classique où on papote, comme ça j'ai pas trop d'installations à faire, et où je vous présente... je vous cacherai au début, hein, mais je vous montrerai le fond d'Halloween. Voilà. On va faire un. Comment est-ce qu'on dit? Je vais vous dévoiler le fond d'Halloween. Comment est-ce qu'on dit? Un dévoilement? Un dévoilage? Enfin, je vous montrerai le fond d'Halloween, quoi. Voilà. Voilà, voilà.
Parce que du coup, j'ai rajouté un make-up, comme je vous l'ai dit, là, à cause, c'est celui que j'ai tourné aujourd'hui, le clown, à cause de ma belle-sœur. Ok, bah écoutez, sur ce, ensuite, je... Alors, il est 6h30. Je suis réveillée depuis 4 heures. Ouais, un peu avant 4 heures, je crois. Mais j'ai été me coucher à 21h. Hein. Donc, ceci explique cela. Donc là, je suis en train de donner des verres aux titis qui sont réveillés. Oups. Donc là, on a Suzy qui est dans sa boîte. Sky est dans la citrouille, enfin dans la pêche. Et on a bébé Silver juste ici. Oui, attends, je te donne. Tiens. Voilà, lui va toujours se cacher derrière la roue. Et on a Shadow qui est dans sa pochette, mais vous n'allez pas le voir, je pense, parce que... Il est en train de manger un marshmallow, lui. Hein. Ah. La mère Sky, alors attention, parce qu'elle est... Elle arrache des doigts. Mais lui, celui-ci, elle n'a pas fini. Ça va, ma Sky? C'est bon? Âme sensible, s'abstenir... Ah, elle est fine. C'est bon, ma mémé. Oh, qu'est-ce que tu prends? Tu as encore un? Oh, qu'est-ce que tu prends, hein? Oh, ma petite surprise. Oh, oui. Tu veux sur sa maman, hein? T'as déjà fini? Mais tu les gobes. Eh, hey, t'es quand même censé le mâcher un minimum, hein? Le bébé Suzy. Attends, elle était trop près là. Voilà. Bon, je vais m'occuper encore un petit peu d'eux. La pause logique. Ah, bonjour mon château. Elle, il veut pas les verres. Bonjour mon château. Tu fais ta petite tête de pois. Oui, on dirait pois. Oh, on dirait pois. Oh, qu'est-ce que tu es beau, mon bébé. Oh, qu'est-ce que tu es beau, mon bébé. Une petite photo. Bonjour, mon bébé. Je surveille parce que Silver est en dessous. Il y a la chienne par là. T'as fini, mon bébé, tiens. Tu veux un? Ou pas? Non, il attend un marshmallow. Mais Suzy, j'en ai un. Voilà, là, là, là. Ça, c'était l'os de Riley. Oh, que petit beau, mon bébé. Alors, je vais lui redonner un marshmallow pour vous montrer. C'est des mini, hein. Normalement, il en a qu'un le matin. Ah, c'est le meilleur, ça. Hein. Ah, c'est accroché. Non, c'est bon. Oh, ma Sky. Eh, doucement. Elle va, un de ces quatre, elle va m'arracher un doigt. Attends, Suzy. Mais Suzy, là, si vous êtes tous en dessous... Ah, attends, il s'est sauvé, celui-là. Tiens. Voilà. Bon, allez, je vous reprends après. Alors, je vous reprends au téléphone rapido. Il est 10h47. J'ai été me recoucher ce matin parce que j'étais crevée, j'attrapais mal la tête et tout. Et là, j'attends que ma stupide chienne se décide à rentrer pour aller faire de la résine. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais pas foutre grand chose, hein, à part la résine, quoi. Enfin, quoique, j'ai déjà pas mal avancé aujourd'hui. Je crois que j'ai ma main sur le micro. Attendez, hop là. J'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de montage ce matin, hein, depuis 4 heures au matin. J'ai fait mon linge, le lave-vaisselle, la bouillie des titis. J'ai été rangé en haut. Ouais, j'ai déjà fait pas mal de choses. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et j'ai encore du bordel à ranger, là. Mais je ferai ça après, une fois que j'aurai fait la résine. Et voilà. Donc, vous verrez pas le rendu, puisque je pourrai démouler que samedi. Donc, vous verrez que la semaine prochaine. Et voilà, tout simplement. Donc, sur ce, la journée a été courte pour vous. Mais je crois que les deux premières journées compensent largement le peu de choses que j'ai à vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc, ensuite, je joue. Alors, il est 10h20, je viens de me démaquiller parce que j'ai filmé un make-up d'Halloween. Voilà.
Il faut que je vous donne le planning qu'on clôture. Et hier, j'ai racheté de nouveaux jeux. Bah ouais, sur Steam. Et j'en ai vu un autre que j'ai mis en attente qui sort en 2024, deuxième trimestre de 2024. Mais voilà, bref. Enfin, j'ai vu plein de jeux, hein, comme d'hab. Mais... D'abord, j'ai acheté Tell Me a Story. Non, pas du tout. Spirit of the Island. Donc, c'est toujours le même genre. Hein, voilà. C'est une simulation. Je l'ai acheté parce qu'il était en promo à moins 55%. Donc, je l'ai payé 7,87€ à la place de 17,49€. Wow, c'est tout bien. Tout bien, bien. Voilà, j'ai joué un peu ce matin parce que hier, j'arrivais pas à faire les réglages pour mes touches. Je vais y arriver. Hein. Et j'ai acheté Hololive, puisque j'ai regardé hier la playlist de Culture Gaming sur ce jeu. Et je me suis dit, tiens, il a l'air sympa. Donc voilà, je l'ai acheté. Et il est au prix de 19,99€ sur Steam, toujours. À part Palia, j'ai que des jeux Steam en fait. Voilà, donc je vais passer mon week-end à jouer, filmer mes make-up d'Halloween aussi. Demain, chéri est pas là parce qu'il doit aller faire ramener la cheminée de ses parents et après il doit faire la nôtre. Comme ça, il ramène les cannes de ramonage en même temps. Donc, tant qu'il sera pas là, j'irai tourner un make-up. Là, il faut que je fasse. J'ai une décoration de tête à faire pour un des make-up. La chienne, elle est en haut, elle m'énerve, elle fait des conneries aujourd'hui. Hier, j'étais pas bien, j'ai dormi toute la journée. Hein. J'ai toujours un peu mal la gorge. J'étais patraque. Je suis complètement gelée. Je passais de grelotter à suer en moins de 2, quoi. Donc, je pense que j'ai eu de la fièvre. J'ai dormi presque toute la journée. J'ai été me recoucher le matin, comme je vous ai dit. Et j'ai redormi tout l'après-midi. Voilà. Donc, oh, tiens, je crois que j'avais pas encore bâillé dans ce vlog. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc ce week-end je vais essayer d'enchaîner deux make-up samedi dimanche d'Halloween. Comme ça après il m'en restera plus que trois tournées. Donc j'aurai bien bien avancé. Et je pense que je vais faire un mini concours pour le dernier make-up. Enfin lors du dernier de la dernière vidéo d'Halloween. Parce qu'en fait j'ai fait un truc donc, que je vous ai fait en vidéo. Et j'avais envie d'en refaire une. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis après, je me suis dit, ben, je peux vous la faire gagner pour Halloween. Voilà. Bon, Halloween sera terminé, mais ça peut rester une déco hors Halloween, quoi. Voilà. Bref, vous verrez bien, c'est la vidéo du 27. Donc, je pense que je vais faire ça ce week-end pour vous. Et je vous en parlerai le 31, lors du dernier make-up d'Halloween. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte parce que je suis crevée. La chienne m'énerve. Je dors très mal vu que ben, j'arrête pas de tousser, que j'ai mal la gorge, que ça me lance jusque dans les oreilles et tout. Oh! Et de deux, je me rattrape. Alors, chérie a invité mon frère à manger ce soir. Donc, il lui a demandé ça hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc oui, mon frère vient manger ce soir, sauf qu'on ne sait pas à combien. On ne sait pas s'il a les enfants, si c'est la semaine où il a les enfants, je ne crois pas. Et si c'est... à quelle heure? On ne sait même, je ne sais même pas à quelle heure il va venir. Voilà, très organisé mon mari. Chouette. Bref, bref. Donc... Ah oui, demain, il faut que je démonte ma résine aussi. J'ai hâte. J'adore démonter ma résine. Même si ça me fait super mal et qu'il y en a que j'arrive pas, que je dois attendre qu'un homme m'aide. Donc, pour le planning de la semaine prochaine, je dis beaucoup E, hein, oui, je sais. Riley! Si ça marche pas comme ça, il faut que j'appelle Prout. J'ai du mal à siffler. Riley! Riley! T'es où? Il y a des qui coulent. Riley! Coucou?
mais ça va marcher. Oh, j'ai plus de batterie. Donc, alphabet X pour XO, XO lundi. Mercredi, qui de nous deux avec Manon. Vendredi, alphabet challenge Y pour Yeti. Samedi, un haut l'action. Dimanche, le vlog. Voilà. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. J'ai pas envie d'aller recharger et de vous recoser après. Voilà, tout simplement, la GFM. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne semaine. On se retrouve de toute façon demain pour vous en vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.